Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo test de produits. Donc là, on est mardi et je me suis dit qu'une fois par semaine, j'allais me faire un petit moment cocooning à moi. Donc il y a Lexi forcément qui fait sa queue parce qu'elle croit que c'est encore un truc pour chien qu'on présente, mais non. Lexi, arrête. Pousse-toi. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer ce petit masque que j'ai acheté chez Nose. Enfin, chez Nose, chez Action, je sais plus quel prix, mais moins d'un euro en tout cas. Et donc c'est un en deux doses. Vous avez 2 x 8 ml, donc c'est le Let's Stay Home Love Life Peel Off. Parce que les peel off, ce sont mes préférés. J'ai juste hâte d'avoir la partie où vous l'enlevez. Donc c'est marqué le masque facial peel off supprime les impuretés et les cellules mortes à l'aloe vera et aux extraits de jasmin. Appliquez le masque de manière uniforme sur un visage nettoyé, évitez le contour des yeux et les lèvres. Laissez poser le masque 10 à 15 minutes, tirez soigneusement le masque du visage pour s'aider depuis les bords vers le milieu. Retirez le surplus de produit à l'eau tiède à utiliser 1 à 3 fois par semaine. Oh, on peut y aller. Donc ça c'est cool. J'aurai peut-être pour en faire un peu plus souvent, mais en tout cas on va déjà tester. Donc je vais séparer la partie en deux sans l'ouvrir. Hop, donc après j'aurai une autre moitié pour une prochaine fois. Je me dis déjà si j'en fais une par semaine ce sera déjà pas mal, donc en tout cas les produits de chez Action c'est pas cher comme d'habitude. On va voir la texture que ça rend, ça fait longtemps que j'en ai pas fait au peel-off. Donc là j'ai pris mon petit miroir qui est juste ici pour pouvoir l'appliquer correctement. Ah j'ai oublié, avant d'attacher les cheveux. Ouh, attendez, la fille organisée. Hop. Top numéro 1, attacher les cheveux et pas faire tomber tout le masque sur mon bureau. Ça c'est pas trop malin, et pas mettre dans les cheveux. Ah mais je fais leur fou partout. En tout cas ça sent bon. Il sent bon et c'est moins désagréable que le... les masques en tissu, parce que ça au moins c'est pas hyper froid. En tout cas là, une dose c'est vraiment suffisant. Ah, vu que c'est pas coloré, pas facile de voir où est-ce que vous en avez déjà mis ou pas encore. En tout cas c'est pas désagréable, au départ vous avez des vapeurs qui piquent un petit peu les yeux vite fait, mais je pense que ça c'est l'aloe vera. Donc voilà, je vais le laisser agir pendant 10 à 15 minutes, on se retrouve après pour savoir ce qu'on va en penser. Cachez pas, mais je dois bien briller. Avec la lumière, ça doit se voir. Donc voilà, et dites-moi aussi si vous aimez bien comment je fais l'éclairage et compagnie. Ouh, c'est fraîche. Donc je vais me rincer les mains et puis on se retrouve dans 15 minutes. Sans mettre les cheveux dedans. A few moments later. Donc voilà, ça fait largement plus d'un quart d'heure que j'ai fait sécher le masque. J'ai l'impression d'avoir du béton sur la figure, ce qui m'empêche encore normalement de parler. Je sens que ça se décolle au niveau de la bouche. Il y a quelques endroits là qui sont pas encore totalement secs, mais on devrait pouvoir l'enlever. Je me suis rendu compte que ça me tirait, j'ai eu la bonne idée de me prendre les sourcils dessus. La débutante. Alors, on va voir si je peux réussir à l'enlever avec vous. Je vais me rapprocher un peu. Je cherche pourquoi je regarde, c'est que j'ai mon retour d'écran qui me sert de miroir en dessous. Alors, est-ce que c'est un bon masque chez Action? Donc on enlève toujours les bords, mais on est tenté d'enlever au milieu, parce que c'est là que ça tire au niveau de la moustache. Et ça se décolle. Ça me fait trop délirer. J'ai l'impression que c'est comme si je pelais un coup de soleil, alors ça me fait trop... Ah, je vais mettre du vert. En tout cas, pas de sensation de picotement, pas de sensation de brûlure ou quoi. Ça semble s'enlever en une pièce. Mmh. Yeah. Pas de sensation d'épilation, en tout cas, pas pour l'instant. Yeah. Mais c'est réalisé. Mmh. Ça s'enlève plutôt bien. On va presque refaire un masque avec. Ah, ça va être moins drôle, c'est comme j'ai mis les sourcils dedans. Mmh.
C'est juste dans ces là que j'ai mis dedans. Ah, plus les cheveux. Hé, l'air de rien, ça fait encore un bonhomme. Voilà. Allez, j'essaie d'enlever les résidus qui doivent rester. J'en ai dans les cheveux. J'en ai dans les cheveux. On est dans une mèche de mes cheveux. C'est plutôt bien rendu dans la majorité. Une partie qui est pas bien séchée. On a mis un peu trop d'épaisseur à ce niveau-là. Enfin, je me rince les sourcils, mais bon, par ça, ça va. Donc, je pense qu'il faudrait une petite crème derrière tout ça, mais il n'empêche que ma peau est toute douce. Que ça en parle mal, on met deux peaux mortes. Je regarde quand même sur le masque si on voit si ça enlevait quelque chose ou pas. Ouais, j'ai l'impression que ça enlevait pas mal de. Pas mal de peaux mortes. En tout cas, il fonctionne bien, ça fait un petit moment de détente, ça ne pique pas, ça ne brûle pas, j'ai pas du tout la peau rouge. Faut juste remettre une petite crème hydratante derrière. Donc ça s'enlève bien en une pièce, ça ne vous épile pas le visage, ce qui est très bien, c'est quand même plus. Il y a pas mal de masques peel-off quand on commence à vous épiler le visage, c'est pas du tout forcément ce qu'on recherche. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Je vous promets d'autres crash tests de masques très prochainement, de toute façon la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous achetez ce genre de produits chez Action, si ma vidéo vous a donné envie de les tester. En tout cas, moi je vous la recommande parce que c'est pour moins d'un euro, vous avez deux masques, ça met de moyens d'avoir envie de s'entretenir. Et moi c'est ma résolution pour l'année 2018. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller mettre ma petite crème et après je vais m'occuper de monter des vlogs. Bisous.